L'écriture de Nostradamus était une écriture au cryptage complexe. C'est incontestable, j'ai découvert le secret d'écriture de cet homme. J'ai mis 36 années pour comprendre. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture complexe a été mise à jour. Voici le quatrain numéro 11 de la troisième centurie. Voici le quatrain numéro 11. Les armes battent au ciel longue faifon. L'arbre au milieu de la cité tombé. Verbine rogne glaive en face typhon. L'or le monarque d'Adri succombé. Dans ce quatrain, Nostradamus explique que l'époque de la menace qui touchera le monde sera produite ici. Il parle des eaux hautes que nous aurons à l'aube. Il dit que ce sera une époque de souffrance et de râle. Il annonce qu'il a gelé ses écrits, afin qu'ils arrivent jusqu'à notre époque. Il annonce également d'importantes chutes de neige et des inondations catastrophiques du Rhône. Nostradamus explique également dans ce quatrain que ses vers poétiques seront les heures du verbe. Il écrit « Moi le médecin, j'ai mis 1000 lectures ». Nostradamus voit la tome qui fera de nombreux morts. Nostradamus explique également que la catastrophe du Rond Nord sera due à une explosion extrêmement violente. Il écrit un grand boom. Voici le décryptage du quatrain entier, selon le premier degré. La phonétique de nos usages d'expression produira l'époque. Maintenant, tu seras le premier à avoir la volonté de définir la menace de la longue géhenne d'eau et de neige qui toucheront le monde. La connaissance ici est sous les yeux du ciel, qui voit les eaux sur les hautes terres. Ce sera l'époque du grand heurt. Tu as la surprise d'obtenir rapidement tes usages d'expression qui seront ainsi. Voici cet art de l'ère des mots armés et scellés, laissé par Dieu pour ce livre de mots qui sera publié en été. Tes connaissances ici viennent des syllabes et des notes contenues dans les vers poétiques. À nous deux sera l'aide à lire. Nous avons eu la volonté de voir cette lecture qui fut mise en expression élevée. Des eaux hautes que vous aurez à l'aube en heure seront contenues dans cette réelle leçon de cet art de l'ère des mots. Vous aurez une ère de râle et de souffrance. Nos usages d'expression tissés, les mots croisés, seront de raison phonétique. Sera dans cette connaissance la première haine par les eaux. De cet essai naîtra la volonté de voir la menace. J'ai gelé cette époque de laideur contenue dans ces notes afin qu'elles arrivent jusqu'à toi. Maintenant tu as ce legs. J'ai le début d'importantes chutes de neige, elles seront la géhenne. Un peu avant vous aurez l'énervement des eaux du Rhône, dû au bouleversement de la mer du Nord. Ces eaux vous les aurez dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. De ces pires vers poétiques seront les heures du verbe. Dieu, par ce bref air des mots rêvés, apportera le sommet en mots. D'hommes. La connaissance ira par les foules. Celles-ci crieront en ayant sous les yeux leurs haches contenues dans les vers poétiques. Ayez l'air des mots de Dieu qui aident par ce cryptage. Celui-ci sera la volonté de voir la menace qui arrive et d'en avertir. Les mots racontés dans cet art armé seront les années des mots des hommes. Alors tu connaîtras ton rôle. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, je laisse ces usages d'expression, ce sera cela. Tu as l'art de l'air des mots armés mis dans ces expressions. Ici sur le pouvoir qui sera désapprouvé, en tête tu auras le dépit. La planète sera à l'air des eaux haussées, j'ai eu ce puissant savoir du ciel qui a gelé la vue de ces textes. Vous aurez longuement les eaux gelées. J'ai eu la volonté de voir la menace et ses effets. Dans la connaissance seront les faits et leur époque. Ici même seront les saisons dans les sons phonétiques que j'ai laissés dans ces usages d'expression, qui sera cela. En deux, la haine des eaux fera faire cela.
en ayant ici même mon fils, été soumis au destin, dans ses premières notes sera la volonté de voir la menace par un grand feu, et ensuite sera la géhenne par les eaux, qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires et les industries. Je laisse ici même la si haute heure que tu auras dans les vers poétiques. Elle sera l'heure du grand heure de la terre. Tu as l'air des mots en tête, tu les as rapidement assez bien. Cette connaissance doit être semée avec mon art des mots, car les races seront rasées. Tu as le premier les mots scellés laissés ici. Ils seront le réel relais de ces usages phonétiques. Il faut le faire, mon fils, ici même. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, là seront les notes de cet art de l'air des mots. Ce pouvoir se rapproche de l'époque des eaux que vous aurez. Cette eau sera au-dessus des têtes. Moi, le médecin, j'ai mis 1000 lectures liées au lieu. Vous avez les yeux sur le jeu des mots. Vous avez les idées de Dieu ainsi que le délai. Là, vous avez les notes de la connaissance. Ici même sera la citation pour les villes. Tu auras en été la tête dans un étau. Je vois la tombe, et puis des tombes. Et là, les eaux à cause des hommes Dieu. Dieu est là, en ayant ses notes. L'art de l'air des mots est proche d'être connu. En 2, le reflux de la mer sera la cause d'un grand boom. Les hommes créeront les mots par les eaux en été. Tu tisses ici même la connaissance, elle sera sale. Tu as la laideur dans ce devoir. Tu as sous les yeux la lecture liée. Cette émission montrera ce mouvement qui était muet, dans lequel tu auras les eaux hautes par le reflux de la mer, que tu auras en heure. Ton époque sera rasée. Tu dois gérer le Graal. Par le reflux de la mer, vous aurez des mots par les hautes eaux. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, ce sera la volonté de voir la menace contenue dans les vers poétiques, seront les heures du verbe. L'air des mots sera un pouvoir de naissance. Naîtront les heures de l'énervement des eaux, ce sera l'époque de la géhenne, elle sera une gale. La haine sera par d'importantes chutes de neige. J'ai dans ses notes mis le glas qui sera de même nature. En ayant la volonté de voir la menace par des visions et ma présence, fera faire cette première connaissance. En été sera un typhon d'une rare violence. Tu tisses ici même les faits, par les sons phonétiques contenus dans nos vers poétiques, et les heures du verbe seront. En 2, la haine des eaux haussées feront des exclamations dans les cités. Tu fais le tissage des mots pour tes thèses. Cela tu l'as le premier ici même par cette connaissance de ces années fanées. Tu auras l'année du néant par l'indication de la durée de l'existence des hommes. Obtiens de même nature les visions contenues dans ce legs. J'ai vu la géhenne du nord. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant sera la neige abondante. Dans un golfe se formera un gouffre, formant un tourbillon marin. L'époque des eaux vous apportera de nombreuses cascades et de torrents. Ces heures seront reniées. Pourtant, ce sera la volonté de voir la menace contenue dans les vers poétiques. Les heures du verbe seront. Et vous verrez la haine des eaux haussée. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, le Très-Haut a eu l'air des mots recélés et être scellé. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant l'époque et les êtres connaîtront les mots du monde que j'ai narrés dans cet art marqué. Ce cryptage sera la volonté de voir cette menace avec l'aide de Dieu. Sera indiqué leur hache. Dans les vers poétiques sera trié l'air des mots sous les yeux. Jésus a eu la connaissance. En ayant la coutume d'expression, cet essai sera le sommet des mots pour les hommes qui les examineront. Dieu dès lors donne l'air des mots recélés. En 2, le reflux de la mer sera causé par un grand boom. Les hommes auront des mots par les eaux haussées, à savoir par l'usage de fusées. Vous aurez ces faits angoissants, votre difficile époque sera dans les vers poétiques où sera indiquée leur hache. De Dieu sera l'aide pour les hommes en ayant ce cryptage. Par l'air des mots sera l'année narrée. Les mots seront par les eaux sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Les gens seront laissés sur place. Seront dans ces rouleaux d'écrits les listes et les actes des eaux haussées, par le reflux de la mer causé par un grand boom.
Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.